bienvenue sur la magie des étampes. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer quatre versions, quatre cartes dans les mêmes couleurs, mais pour différentes occasions. Et je voulais explorer avec vous ici le papier au laser. Je vous fais remarquer que il y a un côté qui est très vanille, mais miroitant. C'est très joli. Et l'autre côté qui est blanc. Donc, vous pouvez ancrer soit un côté, soit l'autre. Vous avez des feuilles pleines, comme ça, 12 par 12, qui sont extrêmement jolies. Celles qui aiment faire des albums vont adorer ça. Et vous avez, donc, 3 12 par 12 et 3 feuilles où vous avez des formes prédécoupées pour faire vos cartes. Donc, je me suis servi de celle-ci, et on va faire ça. Vous pourriez faire des petites cartes 3x3 ou 4x4, peu importe. Et pour allier à ça, avec ça, j'ai choisi, si bien dit, le lot. C'est le fun, ce lot-là, parce que, dans le fond, vous avez des mots tout seul, des phrases qui sont plus longues, que souvent on aime mettre à l'intérieur des cartes, et les poinçons ici, vous avez plusieurs mots, donc souhait, bienvenue, joyeux, hurrah, merci, anniversaire, condoléances. Mais c'est pas tout. Vous avez également des petites fleurs, des cœurs, un oiseau, une chandelle, il y a et toi aussi. Et puis ici, les petites silhouettes de feuillage qui sont très très intéressantes aussi. Alors, pour aller avec ça, donc, on veut faire un bel arrière-plan pour faire ressortir ces beautés-là qui sont taillées dans le papier tout fin. Donc, c'est délicat. Quand ça arrive, vous avez un papier de soie entre chacun. C'est pas pour rien. Et c'est posté dans un chipboard très épais, très, très bien emballé de la part de la compagnie. Alors, ce que j'ai décidé de faire, c'est, vous me voyez souvent ancré à l'éponge. Donc, j'ai choisi une palette ici, la même pour les quatre cartes que je vais vous montrer à la fin. Je voulais faire quatre saisons, quatre cartes différentes, de différentes couleurs, et je me suis ravisée. Je me suis dit, tiens, on va faire tout le temps la même palette, mais avec des occasions différentes. Alors ici, j'y vais en mélodie de mangue. J'ai une base de cartes, j'y vais directement sur le devant de ma base de cartes en mélodie de mangue. Vous savez comment j'aime les arrière-plans ancrés. Donc, j'ai fait une vidéo où je vous donne tous mes trucs pour que ça soit ancré comme une pro. Mais ce qui est le fun, c'est que ici, vous ne pouvez pas vraiment vous tromper parce qu'en posant par-dessus, vous allez voir que les détails du papier au laser attirent l'œil et ça ne sera pas vos petites erreurs que vous n'aimez pas, là. Je garde la même éponge et j'y vais dans Tarte au potiron. J'aime bien venir mélanger mes couleurs. J'y vais dans Rose Rococo, qui fait partie des In Color. Oh, c'était très ancré, cette éponge-là. Je mélange avec le Tarte au potiron. Ça fait un petit peu inusité. C'est pour ça que je me suis efforcée de sortir Rose Rococo. Parce que je me pousse toujours en dehors de ma zone de confort pour les couleurs. Et c'est là que j'apprends le plus. Donc, c'est un bon conseil pour vous. Merlot magique, au lieu d'y aller en rouge-rouge comme je choisis souvent. J'aurais pu mettre du riche raisin, j'en avais mis, mais là, je ne me suis pas gardée assez de place. Donc, ça pourrait être riche raisin et bleu. Mais en allant mélanger notre bleu avec notre jaune, on va avoir notre petite nuance de vert. Alors ici, je veux un petit peu un violet. Je vais mélanger les deux. Voyez-vous, il y en a qui me posent souvent comme question, les encres Distress, t'aimes-tu ça? J'en ai pas besoin. J'ai pas besoin d'acheter plein d'encres parce que moi, je fais tout avec les encres classiques de Stampin' Up. Pas besoin d'acheter des encres différentes pour aller faire des beaux effets. Voilà pour mon arrière-plan. Ensuite de ça, j'ai décidé, je vais la compléter en dehors de l'écran. J'ai décidé de, vous allez regarder les photos, vous allez tout avoir les détails en regardant les photos à la fin de la vidéo. Ça ici, c'est un petit restant que j'ai.
Donc, on peut venir imiter le bord de la feuille. Moi, je ne me gêne pas pour venir détacher puis jouer un peu avec mes éléments. Donc, c'est là pour nous aider. C'est pas là pour nous emprisonner dans un moule. Je le répète souvent. Alors, regardez, je peux avoir ça ici. Je trouve ça beau comme ça. Mais ce que je pourrais faire aussi, ça serait de dire, je vais couper un peu ma base et je vais aller utiliser mes fleurs comme ça, ce que j'aime beaucoup. Je pense que ça ferait une belle carte de sympathie. Mais je vais aller probablement choisir un vœu différent parce que je viens justement de faire une carte de sympathie, vous allez voir. Je vais vous montrer ça dans quelques minutes. Alors, je ferai ça comme ça. Et superposer comme ça. J'ai vu qu'il y a quelqu'un qui est allé colorier les fleurs avec un doigt éponge et les feuilles. C'est très, très joli. Alors, je viens découper avec un mot. Ici, découper avec mes poinçons. Et probablement une petite bandelette avec un vœu que je vais avoir choisi là-dedans. Ça, vous allez pouvoir la voir, elle est presque finie telle qu'elle. Mais je veux vous montrer vraiment celle que j'ai travaillée, dont je suis très contente finalement, parce que j'ai gardé ça simple, mais je trouve ça joli en même temps. Alors, on a la même palette ici. Vous voyez le miroitant là? C'est vraiment de toute beauté. Alors, bienvenue, quel bonheur que tu sois là. Il y a plusieurs autres possibilités. J'ai décidé de garder ça très, très simple et je me suis bien amusée. Je vais garder ma préférée pour la fin. Ça ici, une carte qui pourrait servir à toutes les occasions, mais j'ai choisi de la transformer en carte de condoléances. J'avoue que les condoléances auraient été très belles ici aussi. Mais ici, ça fait tout neutre. Et cet élément-là, il vient aussi des poinçons que vous avez avec, qui sont coordonnés avec le jeu si bien dit. Donc, ça s'appelle les bons mots. Et puis, la dernière, c'est ma préférée. C'est celle que j'ai faite en premier. Celle-ci, avec son enveloppe. Regardez ça. Dans le fond, ça, ça vient de tout le lot découpé au laser. Et puis, mes feuilles ici viennent du jeu Saison colorée. Et des poinçons. Mon idée de départ, c'était d'utiliser ce jeu-là, ces poinçons-là, et de vous faire une carte 4 saisons. Parce que voyez-vous ici, on a l'automne, on a la tige avec les petites fleurs du printemps, on a l'été, la belle chaise, ou bien il y en a une ici qui va très très bien. Et l'hiver, on a tellement des beaux flocons de neige ici, on en a également ici. Bref, ça là, c'est des produits coordonnés qui peuvent vous aider si vous cherchez un jeu avec ces poinçons coordonnés pour faire toute l'année. C'est une bonne suggestion. Alors, j'ai vraiment été utiliser les superpositions. Ici, ce sont tout simplement des feuilles que j'ai étampées le noir, mais j'ai été colorier puis poinçonnée avec les poinçons. Alors, j'aime ça beaucoup, beaucoup. Ce que je veux vous rappeler, c'est que dans ce paquet-là, vous avez aussi des belles bordures qui pourraient vous servir ailleurs en superposition ou venir colorier à l'éponge et utiliser sur vos enveloppes ou sur les rabats. Ça serait très chic. Même des fois, on peut faire des passés un petit peu comme ça à l'ancienne. C'est très joli. Et puis, ne pas oublier que vous pouvez toujours utiliser vos petites retailles comme ça ici, là, mes fleurs. Là, je vais probablement venir le poser à l'intérieur de ma carte. Il n'y a jamais rien de perdu. Et ici, soit des décorations d'enveloppe ou des cartes 3x3 ou 4x4. N'oubliez pas, vous avez un côté blanc aussi. Mais moi, j'adore le côté miroitant. Si vous voulez ajouter la petite touche finale, c'est de vous faire du smush spritz maison avec de la peinture chatoyante champagne. Ou bien d'utiliser votre Wink of Stella, comme ici j'en avais rajouté sur mon petit oiseau, mais ça paraît pas beaucoup vu que c'est déjà miroitant. Petit détail, c'est qu'après avoir fait mon arrière-plan ici, je suis venue avec mon aquapainter, donc je le surcharge d'eau, je lance ça sur ma surface. Là, ça paraîtra peut-être pas aussi vite et autant parce que je l'ai laissé sécher pendant que je vous parlais. Mais vous voyez, ça fait déjà des petites gouttelettes. Ça fait un très, très bel effet. Regardez ça, ça fait différent. Hein?
Donc, ici, j'avais oublié de le faire et ça fait une grosse différence. Je pourrais le refaire après, mais je trouve que ça apporte vraiment la petite touche finale. Alors, si vous aimez ça, montrez-le-moi et je vous souhaite une super belle journée.